apporter la différence par ma différence. Comment je peux apporter ma différence afin de marquer une différence? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc dis à ton ami, il y a une différence en toi. Ah, dis à quoi? Dis, il y a une différence en toi. Il y a une différence à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc nous allons aller rapidement dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Lève tes mains avec moi. God. Il donne gloire à ton nom, Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Je te parle de Jésus ce matin. Je te
Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons aller rapidement? Rapidement, nous lisons le passage du jour. Alléluia. Allons rapidement, par la grâce de Dieu. Alléluia. Achille, le chapitre 3, verset 18. Et un autre va prendre 1 Samuel, le chapitre 16, verset 18. Bientôt je mettrai, donc maintenant je mettrai une distinction entre
c'est ce que tu as reçu de Dieu qui te permet de mettre une distinction. Pas ce que tu as, mais ce que tu as reçu de Dieu. Il dit, je mettrai la distinction entre les justes et les méchants. Les justes ici, c'est qui? C'est celui qui a reçu la nature de Christ en lui. Donc c'est ce que tu as reçu de Dieu qui te distingue de plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi maintenant très bien. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la proposition de Dieu. Ah, je vais maintenant expliquer. Dis amen. Non, dis amen, j'explique bien. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu, nous sommes des propositions de Dieu? Parce que la Bible dit dans la Genèse, le Seigneur a créé tout ce que nous voyons, tout ce qui renferme la terre. Mais la Bible dit autour de l'homme le sixième jour, Dieu va faire à 60 conseils. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc tu es la proposition de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu es la proposition de Dieu. Donc Dieu t'a proposé pour que tu sois. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu qui a créé Adam, c'est le Dieu qui t'a formé dans les entrailles d'une femme. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er verset, 1er à 7, il dit, avant que tu fusses être formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi sur les nations, pas dans la nation, mais sur les nations. Donc avant que tu sois formé, c'est Dieu qui prend le temps dans les entrailles d'une femme de former un homme. Est-ce que vous comprenez? De former un homme. Et quand Dieu forme cet homme devient un vaisseau dans lequel Dieu s'investit. Donc, je vais dire une personne ce matin. Tu es un vaisseau dans lequel Dieu a investi des différences. Parce que quand Dieu crée l'homme, Dieu ne le crée pas au hasard, par hasard, par accident. Non, non, non. Je ne t'ai pas créé au hasard, par hasard et par un accident. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne t'a pas créé au hasard. Peut-être tes parents ont essayé de camoufler la chose, la relation entre père et la mère. Et cette relation est allée plus loin et ils ont conçu un enfant dont ils n'ont pas désiré. Mais dans le plan arrêté de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a déjà arrêté. Même si ton père, ta mère n'ont pas pu arrêter ce plan a été déjà arrêté dès la fondation du monde en ce qui te concerne. Donc tu n'es pas venu sur la terre pour errer. Tu n'es pas venu sur la terre pour tourner. Mais tu es venu sur la terre parce qu'il y a une différence en toi. Tu peux accepter ta différence. Tu peux apporter une différence dans ton environnement. Je suis venu, tu es une personne qui me dit amen maintenant. Tu n'es pas un accident. Alléluia. Comme les gens peuvent le croire. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Comme les gens peuvent le croire. Mais tu es venu sur la terre pour affecter ton environnement. Tu, oh, je ne sais pas si je parlais à quelqu'un qui me dit amen. Je commence maintenant à prêcher. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Tu n'es pas venu sur la terre pour aider. Mais tu es venu sur la terre en tant que vaisseau. Qui est quoi? Qui est rempli de différences. Et c'est par cette différence que tu apporteras la différence dans ton environnement. Quand Dieu crée un homme, Dieu me le met toujours dans un environnement. Et c'est par ta différence que tu règnes dans ton environnement. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand Dieu crée les animaux, il crée la terre, il crée tous les arbres que nous voyons. La seule personne dont Dieu a créé qui fait sortir ce qui est extra et extraordinaire, ce n'est pas les âmes. Est-ce que vous comprenez? Dis amen, je parle bien. Amen. Hein? La chose en qui est sortie, ce qui est extra superordinaire, ce n'est pas les âmes. Ce n'est pas les animaux. Mais c'est qui?
C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc les âmes n'ont pas pu faire sortir ce qui est à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas pu faire sortir ce qui est à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme qui a pu faire sortir ce qui était à l'image de Dieu et ce qui était extra et extra superordinaire. Je suis venu dire à une personne qui me dit amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des grâces en toi? Il y a des potentialités en toi qui te font sortir l'extraordinaire que tu entends. Je ne sais pas si je parle à une personne qui me dit amen. Parce que pendant que tu me dis amen, je vois des choses extraordinaires qui sortent de toi. Je vois des dons extraordinaires qui sortent de toi. Si tu me dis amen, le Seigneur te fait la grâce. Si tu me dis amen, le ciel s'ouvre et le Seigneur t'affecte par sa grâce afin que tu apportes la distinction au nom de Jésus-Christ. Donc tu étais un vaisseau dans lequel il est parti des différences pour apporter ta différence ou la différence. Je parle des différences, je fais allusion aux capacités qui peuvent être spirituelles ou physiques que Dieu t'a employées. Nous avons en nous, mes amis, des capacités spirituelles, psychiques, que Dieu nous a employées ou nous a imparties. Ces capacités peuvent être, je vais un peu parler de David qui a des différences d'une façon extraordinaire. Quand nous lisons le livre 1 Samuel, le chapitre 16, après le verset 18 que nous venons de lire tout à l'heure, vous allez voir que David avait des différences d'une façon extraordinaire. Et les différences de David, c'est que il jouait la harpe, mais il savait très bien jouer la harpe. Donc il y avait plusieurs joueurs, mais lui savait très et très bien jouer, qui lui permettait qui pouvait apporter dans l'environnement l'épanouissement à un roi. Qui pouvait apporter l'épanouissement dans la vie d'un roi. Comment ce petit David qui est derrière les animaux, comment ce petit David dont la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de Somme, le chapitre 51, il dit, mon père, ma mère, ils m'ont conçu dans l'adultère. Ça veut dire que David était un homme adultérien. C'est vrai qu'il était disqualifié parce que là, ce n'est pas honorable. Mais quand nous allons plus loin, et que celui qui était conçu dans l'adultère avait des capacités en lui, avait des potentialités en lui, je suis venu dire une personne qui me dit amen maintenant. Peut-être tu peux être disqualifié aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, Dieu a imparti dans ta vie. Il t'a donné des capacités qui peuvent te qualifier, qui peuvent te distinguer et qui peuvent te lever devant le roi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui me dit amen. Je vois que tes capacités en toi t'introduisent dans la grandeur. Je vois que tes capacités en toi t'introduisent dans la cour des champions. Si tu me dis amen, je vois le Seigneur t'introduire. Oh, je ne sais pas si je parle à celui qui dit amen. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Je vois le Seigneur t'introduire. David, probablement aux yeux des hommes, il était disqualifié. Mais sa différence a permis à David d'entrer là où son père ne pouvait pas le faire entrer. Sa mère ne pouvait pas le faire entrer. D'entrer là où même ses frères n'ont pas eu la capacité d'entrer. Je suis venu dire à une personne, écoute-moi très bien. Peut-être que tes parents n'ont pas eu la capacité de te faire entrer là où le Seigneur pouvait te faire entrer. Peut-être ta mère n'a pas eu la capacité. Peut-être même ton père, parce que la Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit ce que le père n'a pas vu, ce que les hommes n'ont pas pu expérimenter. Écoute-moi très bien. Peut-être qu'il n'a pas pu expérimenter parce qu'il n'a pas la capacité de te faire entrer. Mais ce que tu as, ce que ton Dieu t'a donné, te fera
tu le sauras. Tu expérimenteras ce que les autres n'ont pu expérimenter. Tu te tiens les mains pour me dire, Amen, je veux que Dieu cesse ces paroles dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, dans le livre de Jean, le chapitre 7, la Bible dit, pendant que les eaux étaient agitées, celui qui tombait le premier était guéri. Alléluia. Là, ce matin, je suis en train d'agiter les eaux. Amen. Je suis en train d'agiter les eaux. Il faille que tu puisses recevoir par ta conviction. Ça veut dire que tu vas tomber dans les eaux. Pendant qu'un père est en train de prêcher et que le message te marque, tu dois venir s'aimer afin que ça soit scellé dans ta vie. Tu dois venir s'aimer afin que ça soit scellé dans ta vie. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est très fort. Dis Amen et bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des capacités en toi qui sont tout le monde qui est courageux. C'est faux ou c'est vrai? Ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Au lieu, on dit allons marcher. Il y a des gens qui disent quand je regarde tout ce que j'ai en fait, comment aller marcher? Qui va mourir? Ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Une des différences de David est qu'il était courageux. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Une des différences, David était un homme qui était doté des différences extra-superordinaires. Une des différences de David est qu'il savait jouer la harpe, mais il savait très 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 bien jouer. En Israël, il y avait plusieurs joueurs d'harpe. Parce que vous allez voir que le livre de Somme était un livre que non David qui l'a écrit simplement ou seulement ou c'est celui seul nom. Mais il y avait plusieurs personnes qui ont écrit les livres de Somme. Les livres de Somme sont des cantiques, les poèmes, les expériences que certaines personnes ont vécues. Est-ce que vous comprenez? Souvent quand on dit les livres de Somme, les livres de David, vous savez pourquoi? C'est parce que David en a beaucoup écrit. De deux, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit à l'hommage de David. Est-ce que vous comprenez? Selon le livre de Somme, a été écrit par les rois, par les prophètes aussi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour dire en d'autres termes, que ce n'est pas seulement David qui savait seulement de jouer la harpe, mais la Bible dit qu'il savait très très jouer. Donc, ce qui le distinguait de cette personne qui jouait est que lui savait très 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 bien jouer. Est-ce qu'on se comprend? Il savait très très bien jouer. Mes amis, regardez. Le frère Benadia est en train de jouer le piano. Laisse ici, laisse. Si moi je joue le piano ici, tu vas t'énerver. C'est pas ça. On a les mêmes doigts. C'est le même piano. Mais quand je joue, hein, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chantons, chantons, et bien de ça. Ta ta, ta 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 ta. Vous voyez, les notes ne sont pas quoi? Ne sont pas correctes. Merci, Benadia, joue s'il te plaît. Vous voyez, les accords sont quoi? Clairs.
fatigué. Pourquoi? Parce que c'est pas sa différence. Ta différence peut être physique ou spirituelle. Dieu ne te laisse pas parce qu'il faut te laisser. Dieu ne te crée pas parce qu'il faut te créer. Dieu ne te forme pas dans l'entrain d'une femme parce qu'il a envie de te former. Mais quand Dieu te forme, il te donne des capacités. Il te donne des capacités qui te permettent de faire quoi? De régner dans ton environnement. D'apporter la distinction dans ton environnement. Écoutez-moi très bien. Comme on n'a pas le temps, je vais aller rapidement. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que l'oratoire, de la... il y a des gens qui savent parler. C'est une différence. Est-ce que vous savez ça? Donc ta différence peut être un talent ou un don. Elle peut être naturelle ou spirituelle. Savoir parler, là, c'est une différence. Tu sais parler, c'est une différence. Regarde. Le frère Christian. Il sait bien mettre la caméra, il sait bien tirer les photos. Moi, si je prends ça tout de suite, on va regarder ça ici. On mélange tout, puis après on met ça comme ça. Bien. C'est sa différence. Il y a des femmes, mes amis. Je vous dis, il y a des femmes, mes amis. Qu'elle peut pas, tu peux monter pour après. Tu dis, Seigneur, excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des femmes, mes amis, qu'elle ne peut pas t'y fâcher. Elle te demande, est-ce que c'est doux? À tout âge, c'est doux. Tout ce que tu dis, c'est à tout âge, c'est doux. Maintenant, quand tu sors ensemble de toi-même, là, ça ne va pas trop. Est-ce qu'on se comprend? C'est qui s'est préparé, c'est sa différence que Dieu lui a donné pour apporter la différence dans son environnement. Quand vous voyez Droba, qui est devenu Droba aujourd'hui, ça connaît de quoi? Ça connaît de sa différence. Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu te donne toujours des différences pour apporter la différence dans ton environnement, là où tu es. Cette personne sera radiée du temple.
croiser. Les hommes ne s'attendent plus te raconter. Mais moi, je viens parce qu'ils m'ont envoyé. Il y a plusieurs qui m'ont envoyé. Je suis le messager de plusieurs. Jésus-Christ de Nazareth, nous savons maintenant. Donc il parle au pluriel. Il dit, nous savons maintenant que réellement tu es le rabbi. Nous savons maintenant que tu es le maître qui est venu du ciel. Je suis venu dire une personne de ce matin. Écoute-moi très bien. Quand tu vas commencer à travailler ta différence, les gens qui ne croyaient pas en toi, les gens même qui croyaient qu'en toi, rien de bon ne pouvait sortir, ils viendront en cachet pour dire, nous croyons que ton Dieu est fort. Nous croyons que ton Dieu est puissant. Nous croyons que ton Dieu est grand. Nous croyons que ton Dieu est capable de tout faire. Je suis venu dire une personne. Lève-toi simplement et travaille ta différence. Alors tu verras plusieurs venir vers toi pour te célébrer. Celui qui me dit amen, je vois le Seigneur qui amène plusieurs personnes vers toi pour te célébrer. Alléluia. Quelle est ta différence?
Et j'attends la gloire, je passe dans la gloire, je vis dans la gloire, je suis dans la gloire, je suis introduit dans la gloire. Je ne sais pas si tu peux te remonter avec moi en marchant dans la gloire, parce que pendant que tu marches, je te vois marcher dans la gloire. Pendant que tu fais des pas, je te vois marcher dans la gloire. Pendant que tu... je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je vois une femme dans la gloire, je vois un homme dans la gloire ce matin. Si tu me dis amen, je te vois dans la gloire, je te vois dans la gloire, et je te vois dans la... Tape la main de ton voisin et dis: voisin, je suis dans la gloire ce matin. Tu es spécial dans ce domaine donné. La deuxième chose. Oh non, est-ce que je peux parler? Non, est-ce que je peux aggraver? La Bible dit dans le livre de Pierre, Pierre dit: vous êtes des sacrificateurs et vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des sacrificateurs. Quand on parle de sacrificateurs, on parle de sacrifices. Qui fait des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Donc le sacrificateur fait des sacrifices. Les premiers sacrifices qu'il fait, c'est quoi? C'est que la Bible dit dans le Romains chapitre 12, verset 2. Premier à 2. La Bible dit: je vous ai sauvé donc, frère, par les compassions de mon Yeshua Massia. Alors ça sera ce qui est quoi? Qui sera agréable, parfait et quoi? Bon aux yeux de Dieu. Donc quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu fais ce qui est bon, parfait et agréable. Deux, le sacrificateur, c'est celui qui présente l'offrande du peuple. Voici les deux fonctions du sacrificateur. Ok. Mais on dit vous êtes un sacerdoce royal. Je peux aggraver? Ok. Je peux aggraver? Un sacerdoce royal. La Bible dit: pour que moi et toi, et nous qui sommes là, nous soyons des sacerdoces royales. La Bible dit: il y a un homme qui est venu sur la terre. Et quand il est venu, la Bible dit: un ange est allé voir sa mère. Et l'ange lui a dit: tu m'as fécondé. Mais pour toi sera extra superordinaire. Parce que celui qui est en toi est une différence qui est en toi. Alors la Bible dit, il dit: toi, tu seras quoi? Tu seras vêtu par l'esprit. Alors tu vas concevoir quelqu'un. Alors elle dit: comment ça se fera? Mais Dieu, la volonté de Dieu soit faite. Alors elle va porter un enfant. Il va venir, il va mourir sur la croix. La Bible dit, ils vont le prendre. Ils vont l'ensevelir. La Bible dit, trois jours d'entre les morts, il va être ressuscité. Mais écoutez-moi très bien. La finition de Jésus, ou la finition de la mission de Jésus, n'a pas été sur la terre. Parce que sur la terre, ici, il devait finir quelque chose et continuer sa mission dans le ciel. Sa mission dans le ciel, c'est d'intercéder pour nous. Mais quand il est mort, sa mission n'était pas encore terminée. Parce qu'il devait faire de toi, de moi, des sacerdoces royales. La Bible dit, il est descendu. Il est descendu dans le fin fond de la Bible. Il est descendu selon Éphésiens. La Bible dit, le premier jour, pendant que les femmes étaient en train de pleurer, lui, il est descendu dans les fins fonds. Deuxième jour, pendant que les disciples étaient confondus et confus dans la chambre haute, la Bible dit, alors lui, il est en train de faire un travail. Il est descendu encore dans les fins fonds. La Bible dit, le troisième jour, quelque chose va se passer. Écoutez pas très bien, quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce qu'il savait, il voulait que
toi et moi, nous soyons des sacerdotes royales. La Bible, il est descendu, il est descendu, il est descendu. Alors le troisième jour, la Bible, il est monté. Ceux qui étaient captifs, il les a délivrés. Il les a délivrés de la captivité. La Bible, il est monté avec nous. Il est monté, monté, monté avec nous. Alors la Bible dit, il nous a établis en haut. Il nous a établis sur le trône. La Bible, alors, il a dit à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes établis. Écoutez-moi, bébé, écoutez-moi, bébé. Alors, quand nous avons été établis, nous sommes devenus des sacerdotes royales. Et roi, c'est celui qui gouverne. Et roi, c'est celui qui règne. Et roi, c'est celui qui domine. Je suis le dixième personne. Souvent, c'est des personnes qui disent. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes qui disent, papa, la sorcellerie me tient trop. Ça fait que je ne veux pas bouger. Je ne veux pas aller quelque part. Je suis venu dire une personne. Quand Dieu t'a établi, il t'a établi au-dessus du deuxième ciel. Ça veut dire que tu n'as pas établi au-dessus du premier ciel. Tu n'as pas été établi au-dessus. Une chose, comment expliquer, sur le premier ciel, sur le deuxième ciel. Mais tu étais établi dans le troisième ciel. Ça veut dire, tu as dépassé le royaume de Satan. Tu es au-dessus du royaume de Satan. Je suis venu dire une personne. Est-ce que tu sais que tu es au-dessus du royaume de la sorcellerie? Est-ce que tu sais que tu es au-dessus du royaume de Satan? Est-ce que tu sais que tu es au-dessus du royaume de la mort? Le problème, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème, souvent, ce n'est pas le diable. Mais le problème, c'est que tu dois détecter ta différence afin d'apporter la différence. Tu dois détecter ta différence afin d'apporter la distinction. Tu dois apporter ta différence afin que tu puisses gouverner et régner sur l'environnement que Dieu t'a donné. Comment ils sont arrivés auprès de Jésus-Christ? On dit, Zachée était sur le sycomore. Et quand Jésus est arrivé, Jésus lui a dit, descends, aujourd'hui je mangerai chez toi. Donc on sait comment il est arrivé. Mais il y a quelqu'un, on ne sait pas comment il est arrivé. Il y a quelqu'un, on ne sait pas comment il est arrivé auprès de Jésus. Et quand il arrive, on dit, il est déjà mort. Celui qui est arrivé auprès de Jésus, et nous avons compris que quand il est arrivé, Jésus était déjà mort, c'était Joseph d'Arimathée. Mais qu'est-ce qui a poussé Joseph d'Arimathée de venir dans ces pareilles circonstances? Qu'est-ce qui a poussé Joseph d'Arimathée à venir vers Jésus? Je suis venu dire une personne. Ce qui a poussé Joseph d'Arimathée à venir vers Jésus, c'est la différence qu'il avait. Je suis venu dire une personne ce matin. Ce qui m'a poussé des grands, ce qui m'a poussé des contacts, ce qui m'a poussé des opportunités, ce n'est pas quelque chose d'autre, mais c'est la différence qui poussera des grands vers toi, qui poussera des géants vers toi, qui poussera des personnalités vers toi. Ta différence. Il y a des grands qui viendront vers toi parce que tu es spécial dans un domaine. Tu es spécialisé dans un domaine. Tu es unique dans un domaine. Donc la deuxième chose, il faut détecter quoi ta différence. La troisième chose, ça peut être. Hein?
Luc le chapitre 22, verset 24. Quand Jésus voulait partir, il a commencé à annoncer sa mort. Les gens ont dit non, non, non. Les disciples ont dit non, non. Entre nous, il y a eu contestation. Ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu contestation. Ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu opposition. Hein? Ils se sont opposés l'un à l'autre. L'autre dit non, 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 moi il y a un grand. Si ça va, c'est moi qui ai un grand. L'autre dit non, c'est moi qui ai un grand. L'autre dit non, c'est moi qui ai un grand. Alors Jésus va dire quelque chose. Il va dire, si tu veux être grand, il faut que tu sois quoi? Le serviteur de tous. En réalité, la grandeur que tu cherches n'est pas en fuite quelque part, mais est en toi. Est-ce qu'on se comprend? Est en toi. Souvent, il y a cette personne, Dieu peut dire par son serviteur, je te rendrai grand. Au fait, il vient confirmer ce qu'il a arrêté. Mais ce qui te rendra grand n'est pas entre les mains de Dieu, est en fuite dans le vaisseau que tu es. Le premier, c'est de détecter ta différence et de travailler la différence. Ça veut dire en d'autres termes, tu dois être esclave de ta différence pour devenir grand dans la vie. Est-ce qu'on se comprend? Drogba, je prends un exemple. Il a détecté sa différence. C'est quoi? Il sait jouer ballon. Matin, son don ou son talent lui dit, si tu veux être grand, il faut courir matin. Donc pendant que nous sommes en train de mettre foutu, lui il est en train de courir. Pendant que nous sommes en train de mettre foutu, lui il est sur le terrain. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que nous sommes en train de... Lui il est en train de travailler. Ça veut dire son talent, il est esclave de son talent pour devenir grand. Tant que tu n'es pas esclave de ton talent, tant que tu ne travailles pas ton talent, tu ne peux jamais être grand dans la vie. Ce qui détermine ta grandeur, c'est le service que tu fais en travaillant ton talent. C'est ce qui t'amène à la grandeur. C'est ce qui détermine ta grandeur. Maman, tu me comprends? C'est ce qui détermine ta grandeur. Ok? Dieu est avec toi, maman. Tu me comprends? Tu te poses beaucoup de questions. Dieu est avec toi. Tu me comprends? Je vois dans mon esprit que tu te poses beaucoup de questions. En ce qui concerne ta vie. Tu me comprends? Les choses sont bloquées. Les choses tournent beaucoup. Tu me comprends? Je suis en train de voir 6. 6. Et je vois 6. Je vois 6 mois. C'est depuis que la vie a commencé. Tu as commencé quelque chose. Mais tu ne peux pas. C'est ça? Non, lève-toi, tu peux. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Hein? Il faut que tu sois quoi? Esclave de ta différence. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que tu sois esclave de ta différence. Ok? Et je vois, c'est comme celui que tu as fait toi, celui qui est déterminé pour commencer quelque chose. C'est pas si le rire qu'il apprend. Mais il apprend hors du rire. Ça veut dire que les positions qu'il doit faire, ce n'est pas si le rire. Il apprend d'abord là-bas. Et quand il sait que les tactiques, c'est bon, alors il applique cela quoi? S'il est rire. Souvent, c'est une personne, non, papa, que c'est qu'il y a avoir de l'argent, qu'il y a travaillé ma différence. Non! Travaille ta différence maintenant! Parce que quand Dieu va t'ouvrir tes opportunités, tu n'auras pas le temps de le faire! Mesdames et messieurs, je travaille à la maison. C'est pas ici que je vais prêcher. Je prêche à la maison d'abord. Je mets la glace devant moi. Et puis, il est petit, c'est trop dangereux. Écoute-moi très bien. Et puis, je me positionne comme ça. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus? Et puis, il fait le changement. Jésus est bon. Donc, dimanche, quand il arrive, il sait que c'est joli. Jésus est bon. Parce que pendant que ça veut dire Jésus est bon, on me regarde ici. Donc, s'il n'est pas joli, on me met lui là. C'est quelle position d'éclat que ça là? Tu as là oratoire, tu sais parler. Quand tu parles, les vies sont restaurées. Tu sais donner les idées. Mais c'est là que tu dois travailler. Tu dois planifier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, son agent, ce sont les idées qu'il donne. Et puis les gens entreprennent des entreprises, font des entreprises. Et puis lui, il a des millions. Mais attends, tu peux établir ça. Tu n'es pas obligé d'attendre d'abord qu'on vient d'abord te donner des conseils. Tu ne donnes pas des conseils, non. Tu établis ça d'abord. Quand les gens arrivent, d'accord, ah, c'est dans ce domaine, d'accord, tiens. C'est comme ça. Il faut bien structurer les choses. N'attends pas d'abord d'avoir l'argent.
fils. Chaque jour, il te dit, oui, tu es bon, tu sais chanter. Mais il faut travailler. Et c'est le travail que tu fais dans le secret qui va te révéler demain. Oh, il ne sait pas si je prends la tête. C'est le travail que tu fais qui te révèle demain. La Bible dit, quand David est arrivé devant Goliath, il dit, Goliath, il faut rester tranquille. Moi, j'ai un CV. J'ai un CV. Toi, tu as un CV. Mais moi, j'ai un CV. Mon CV est de toi. Toi, ton CV est que tu as tué des peuples, des peuples. Mais moi, j'ai un CV. Dans mon CV, là, j'ai tué un lion. Je n'ai même pas pris couteau. Je n'ai même pas pris épée. Mais avec ma main, j'ai déchiqueté un lion. Il me regarde. Est-ce que tu sais que je suis petit? C'est vrai, tu as la taille. Tu as 3 mètres de long. Je ne dis pas non. Toi, tu as tué les gens. Mais moi, j'ai tué ours. J'ai un CV. Mon ami, le lion, selon les caractéristiques, il peut avoir un poids de 280 poids. 280 kilos. Deux lions ont la capacité de tirer les 4 pattes. Les pattes d'un lion font 9 kilos. Ça veut dire que si un lion t'a attrapé comme ça, tu ne bouges plus. Mais il dit, mon d'abord CV là, quelle que soit sa forme, sa taille, je l'ai pris, je l'ai déchiqueté. Deuxièmement, il dit, l'ours. Est-ce que vous savez que ce qui a fait que David n'a pas eu peur de Goliath, c'est que quand l'ours s'élève, quand il se fâche, il s'élève, il a 3 mètres de long. Il dit, oh, moi je suis petit, mais l'ours là, quand il s'est levé 3 mètres de long, je l'ai descendu. Oh yes. Il dit, mon Seigneur est trop fort pour toi. Il dit, d'accord, ce qu'on va faire. Alors, quand il a compris le CV de l'enfant, il dit, d'accord. C'est quoi on fait maintenant? On va mettre maintenant les défis, les dieux, des dieux. Il dit, faut venir moi te donner à mes dieux bizarres. Lui aussi dit, ah bon, tu ne sais pas que moi, mon Dieu, son CV là, c'est trop rempli. Son CV, mon CV, le CV de mon Dieu, c'est trop rempli. Parce que tu as vu que mon CV était trop rempli, donc tu ne pouvais pas. Alors, tu veux aller dans les dieux. Moi, mon CV, le CV de mon Dieu, c'est trop rempli. Alors, il dit, regardez. Toi, tu viens contre moi avec l'épée de Dieu, tout ça. Mais moi, je viens contre toi avec l'épée des armées. La Bible dit quand il a pris simplement son et qu'il a lancé avec la pierre. La Bible s'a frappé son front. Il n'est pas tombé comme ça. Mais la Bible dit il est tombé chez nous contre terre. Il est tombé contre terre, à genoux contre terre. Ok, la Bible dit dans le de Philippiens, le chapitre 2, verset 10. Tout genou fléchit et tout homme confesse qu'il est le Dieu dans le ciel-ci et à venir. En réalité, quand David a présenté le CV de Dieu, alors la Bible le dit, quand il a foncé vers David, la Bible dit, il est tombé. En réalité, il n'est pas tombé devant David, mais il est tombé devant le Dieu de David. Je suis venu dire une personne. Ce matin, le Dieu que tu sers, aucune puissance n'est au-dessus de lui, mais lui est au-dessus de toute puissance. Tout ce qui se lève contre ta vie tombera et fléchira genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, ta distinction. Révéler le CV que tu as. N'attends pas d'abord. Il faut travailler maintenant. Parce que demain, tu n'auras pas le temps. Et demain, tu n'auras pas le temps, fils. Demain, tu n'auras pas le temps. Parce que moi, je travaille chaque jour. Et je travaille chaque jour. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Je vais dire quelque chose. En réalité, on dit, on attend le temps. Le temps, le temps. Mais en réalité, il n'y a pas le temps. C'est l'homme qui détermine son temps. Amen. Bien encore. J'attends mon temps, j'attends mon temps. En réalité, il n'y a pas le temps. Mais c'est toi qui détermine ton temps. Ta manière de travailler dans le secret est en train de déterminer ton temps. De la manière que tu travailles dans le secret va déterminer ton temps. De ta différence. Fils, sois esclave.
grâce. Matin, chaque fois que tu as télévisé, tu as fermé les yeux, tu fais plus, ils nous embrouillent, ils nous embrouillent. Mais demain, c'est ceux-là qui vont te célébrer, ils vont te voir. Ils vont dire, ah, mais il était ici avec nous. Mais voici là où il est arrivé. Tu es en train de changer la zone, ta zone de confort. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pendant que je suis en train de travailler ma différence, je suis en train de changer ma zone de confort. Mais celui qui accepte sa situation, sa réalité, et qui ne travaille pas sa différence, il est en train d'apprécier ou il aime sa zone de confort. Mais celui qui traverse sa différence dans le secret, ça veut dire qu'il n'aime pas la zone de confort dans laquelle il est. Il est en train de préparer autre zone de confort. Dis amen. Amen. Et vous sortez trop, pardonnez. Dis amen, ta différence. Ça veut dire en votre temps, travaille ta différence. Travaille ta différence. Ça peut aller. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Fils, moi, il bouge beaucoup. Hein. Je ne suis pas comme les pasteurs. Là. Eux, ils me connaissent. Moi, il bouge beaucoup. Donc, tu as bougé. Travaille. Quatrièmement, être patient et persévérant. La fin de la patience, c'est l'accomplissement. Et la patience est un professeur. Actes chapitre 1, Actes chapitre 2. La Bible dit, Dieu m'a dit, attendez d'abord, vous recevez une puissance qui venant sur vous. Alors vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors dans le chapitre 2, le Seigneur dit, attendez d'abord. Hein. C'est vrai que j'ai parlé, mais attendez. Allez dans la chambre haute, c'est là-bas que vous allez recevoir cela. Alors ils sont rentrés dans la chambre haute. Ce n'est pas le premier jour où c'est venu. Ce n'est pas le deuxième jour où c'est descendu. Selon les statistiques, on dit que c'est le dixième jour qu'ils ont reçu les visions du Saint-Esprit. Donc la patience dans la présence de Dieu a engendré l'accomplissement. Pendant que tu es en train de travailler ta différence pour apporter la différence, sois patient. Souvent, à certaines personnes, on dit non, tu as un don de guérison. Le lendemain, en même temps, il va à l'hôpital. Maman, tu me connais? Je m'appelle. Impose les mains. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et puis après, toi-même, quand tu rentres dans ta tête, maintenant, commence à s'enfler. C'est vrai qu'on a dit tu as le don de guérison, mais est-ce que c'est le temps? Sois patient. Aïe. Tu as quoi? Tu travailles ta différence dans la patience et dans la persévérance. Car pendant que tu es en train de travailler dans la patience, dans la persévérance, la persévérance en réalité veut dire quoi? Percer pour voir. Donc si je suis patient et persévérant, je vais percer le mystère de cette gloire et je verrai cela. Voici pourquoi Job dit, je n'ai pas entendu parler, mais aujourd'hui j'ai percé et j'ai vu. La patience, travaille dans la réalité. Mes amis, cette affaire de Dieu n'est pas une affaire de course. Non. Non, c'est parce que l'autre avance vite. Non, lui commence à dire, ya, vive mon corps là. Moi aussi, non. Mon ami, tu sais comment il a fait, ya. Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais le travail qu'il a fait dans le secret, les jeûnes, les prières qu'il a fait dans le secret, tu as venu faire hier ici. Comme lui. Souvent nous célébrons la grandeur des gens, mais nous ne savons pas où ils ont passé, ce qu'ils ont traversé, les travaux qu'ils ont fait dans le secret. Être patient et persévérant. La cinquième chose, je m'arrête là. Présente ta différence au moment opportun. Écoutez-moi très bien. David, tu y es où les lions là?
enfants de sa mère. Mais Dieu va créer une opportunité au moment opportun pour révéler les capacités de David. C'était dans les champs de bataille. Écoute-moi très bien. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu détectes ta différence et que tu travailles ta différence dans la patience, dans la persévérance, il y aura un jour, on appelle ça one day. Hein? One day. Un jour, Mando Chabra. Un jour. Parce que moi, on me dit, homme de Dieu, non, on veut dire, je ne suis pas pressé. Non, il faut demander les invitations. Je ne suis pas pressé. Il y a ce qu'on appelle le one day. Il y a un jour où l'opportunité va se présenter à toi. Acclame le Seigneur.